Ah, horreur, on se fait attaquer, c'est la guerre, tout le monde à couvert. Ah, on va tous mûrir. Vas-y, 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 Miquette, défonce-les, fais-nous rêver. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, allez, démonte-moi tout ça, vas-y. Qu'est-ce que tu fous? Oh, le pouvoir de l'électricité! Oh, le larcin. Oh, ils ont pris une décharge là. Ouh là 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 là, ils ont pas aimé. Allez, salut à tous les amis, c'est l'heure de tout play. Nous nous retrouvons pendant une bataille. Et oui, il y a des pécores de Scandinaves qui sont rentrés dans la base et ben ils nous ont tout simplement défoncé. Enfin défoncé, c'est un bien grand mot. Ils nous ont détruit une maison. Tu sais, d'ailleurs, on va pouvoir faire des choses avec leurs cadavres, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je déconne, c'était de très mauvais goût. Hop, on peut s'amuser, on peut faire plein de petits trucs. Ouais! Lancer de cadavres! Wouh! Il pleut des cadavres sur vos maisons, les mecs! Ouais! Plouf! Plouf! Ah, il vous leur faut de la nourriture. Alors, on va commencer par faire un petit miracle de l'eau. Hop là, nous on est gentil. Enfin, pour l'instant, on améliore la productivité de nos champs parce que nos pauvres petits villageois là, ils commencent à crever de faim. Ce qu'on va faire, ah, putain, ah c'est lag, décidément c'est lag, ça m'énerve, y en a trop. Disciple reproducteur. Je suis désolé, j'ai toujours pas trouvé le moyen de régler ça. Je changerai peut-être de logiciel de capture vidéo pour filmer Black and White. Je pense que je prendrai Fraps là puisque j'utilise Meryl et Sax. Oh mince! Ah! Eh ben c'était même pas fait exprès. C'était même pas fait exprès. Je les ai tout simplement. Oh, regardez, ils boitent. Bon, attendez, on est gentil, hein. On est trop gentil. Voilà. Voilà, moi je suis gentil au moins. Oh. Voilà, c'est bon. Calmez-vous. Ok, bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, toi, jamais tu récoltes. Oh, prends ça, prends cette tarte là. Non, mais t'as pas honte? Vouloir ramasser du grain, non mais. Oh, plus jamais. Voilà, hein. Et je t'ai fait des bleus en plus. Je suis désolé, c'est ça qui va la rendre complètement méchante là. Vous voyez là, elle a un petit air. Je crois qu'elle est pas contente. Oui, bon, alors arrêtez de crier. Et là, vu la population qui grouille, on a combien d'habitants? On en a... ouais, on en a à peu près 300, je crois. Ou 600, je sais pas trop. Ouais, 600, on a 600. Ok, alors... aujourd'hui, pour cette vidéo, à la demande d'un abonné, il se reconnaîtra sûrement. Je vais faire durer les épisodes un petit peu plus longtemps, de 30 à 40 minutes au lieu de 20 minutes habituellement. Donc on m'a demandé et je le fais avec plaisir, hein, tant que je peux. Moi ça ne me dérange pas du tout. Voilà, disciple férié, ok. Nickel, bon maintenant faisons de l'armée. Toujours des lags. Voilà, hop là, une magnifique armée. On va ouvrir les portes. On va aller conquérir donc, j'avais dit ça dans l'épisode d'avant, cette ville. Et vous voyez, on va aller niquer ces jolis petits Scandinaves ici. Eux, ils vont venir. Là, il y a trois troupes de Scandinaves, faut faire attention. Allez où ma créature? Viens ici toi. Hop, tu vas aller me dézinguer cet escadron là, vas-y. Pendant que eux, ils vont gentiment entrer ici. On a notre escadron, tous les hommes se ramènent. J'ai pas fait beaucoup, je me rends compte de. Donc ici, je voulais faire des disciples à l'adorateur. Disciples, adorateurs. Voilà. Et on a gagné des points d'offrande. Ok, allez-y, maniez-vous. Maniez-vous le derche. En plus, vous êtes 20 pécores, allez. Ok, vite. Allez, je ferme les portes. Ma créature reste là-bas. Vas-y. Vas-y, Biquette. Oh oui. Oh oui, oui. Tu me vends du rêve quand tu fais ça. Oh là 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 là. Oh, elle commence juste à être meurtrière cette créature. Et là, il y a les autres. Il y a les autres. Allez, hop, voilà. 10 000 points d'offrande. Est-ce que notre escadron est terminé? On a 135 soldats. Non, c'est pas ça que je veux. Allez, oh, c'est cette laisse de. Voilà. Mais oui, c'est ça. Allez, go!
Notre force dévastatrice va tout simplement... qu'est-ce que je vois ici? Ah oui! Ah oui, à l'auberge. Alors, l'auberge, c'est le rassemblement des... enfin, voilà, quoi. Des reproducteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là, ils dansent. Et puis là, il y a les... bah, il y a les... oh, il y a un enfant! Non, mais t'as pas honte. Oh, désolé. Quel atroce acte de... voilà, hein. Non, 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 mais... oui, c'est de la violence gratuite, mais il avait pas qu'à se tenir ici. Non, mais oh... oh là là. Ok, bon. Tout de suite, nous allons capturer la cette ville. Hop là, voilà, qui s'appelle Maltebourg. Bien, Maltebourg, je suis désolé de t'annoncer que tu seras bientôt à nous. Ben toi, ben qu'est-ce que tu fais? Va prendre un monsieur. Nous ferons bientôt parler les armes. Allez. Oui, ben oui, ça fait 30 ans que tu dis ça, t'as rien fait, Michel, alors, hein. S'il te plaît. Alors ici, on va continuer aussi à développer notre ville, puisque, hein, faut bien que la population ait un toit sous lequel ils peuvent dormir. Voilà, on va construire quelques maisons, pas trop à côté du moulin, parce que sinon ils vont m'emmerder avec ça. Voilà, maison. Alors, je m'en souviens plus, dans l'épisode précédent, est-ce que j'avais acheté... combien? 62 000. Allez, on va faire une petite folie. On va aller dans la boutique. On va s'acheter quoi? Allez, un cimetière. Qu'est-ce que c'est joyeux. Une prison. Oh, c'est encore mieux. Non, je déconne. Je vais prendre allez, un petit truc assez gentil. Hein. Ce sera peut-être la seule fois. On va prendre allez une garderie. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. Voilà, une garderie. Mais c'est une des seules fois. Où je serai gentil, hein. La garderie, on va la foutre pas à côté de la salle de torture. On va la mettre là, voilà, là ça me semble parfait. Ah, c'est l'avenir, mais il faut bien s'en occuper. Merci papy, effectivement, c'était très sage. Ce que tu viens de nous dire, c'était très sage. Oh là là, et qu'est-ce qu'ils me disent? Ah oui, alors, est-ce que les pécores d'ici, ils sont partis ou les pécores de là? Oh, ils me contournent. Allez, on va fermer nos portes et on va aller leur donner une leçon. Ils ont ramené des troupes. Va falloir que je défende ce village. Ah, ma créature, elle allait les rejoindre. Attends, avant, tu vas aller attaquer ça. On a 10 000 points d'offrande. Mais oui, alors, on va en profiter pour aller faire une offensive. Ici, on va laisser d'aller à leur porte. Oh, regardez, il y a la lave. Le mal est par là. Oh, ce sera comme ça plus tard. Ici. Hop, voilà. Ça tourne mal. Il y a un péglant. Ah, il y a un péglant. Attendez, regardez, on va faire un truc marrant. Ouais, un bloc de minerai, qu'est-ce qu'on fait? Eh, hey Michel, t'es au mauvais endroit. Bim. Prends ça. Bim. Ah, tu veux pas mourir? Oh, hey, il est vite le... Bim. Oh là là, voyez, c'est magnifique. Oh merde, bah j'ai pété une maison. Ah, désolé Michel, hein, j'ai pas fait exprès, le rocher a roulé. Voilà, j'ai pu tuer le type, ça c'est bien quand on n'a pas d'homme. Ben, on peut tout simplement exécuter le travail soi-même. Oh, la flamme a grossi, on est à 5,6, pas beaucoup. Bon, bah ici on va laisser se développer, hein. On va mettre juste de la reproduction. Voilà. Disciple reproducteur. Allez, il y a 3 clampins dans le village, allez, disciple reproducteur. Reproducteur. Ici on arrive, qu'est-ce que je vois? Oh, ah oui, la mission, faut que je la termine. C'est vrai, on va la terminer bah en fin d'épisode si on peut, hein, écoutez. La garderie. Ok, elle se construit, on va l'aider. Allez. Petite garderie. Où il faut 500 bois encore. Ah, elle est chère la garderie. Ok. Nickel, une garderie. C'est magnifique. Voilà, notre cercle d'influence s'agrandit. Toujours des lags, ça m'énerve. Bon, c'est décidé, je filme avec Fraps la prochaine fois. Ah, les lags, j'ai horreur de ça. Je tourne avec Fraps la prochaine fois, c'est décidé, les amis. Même si ça me fait des gros fichiers énormes, c'est pas grave, hein, tant pis. Pour Black on White, je suis prêt à... bien, tout simplement choisir la solution la moins pratique. Même si Frappe n'est pas, comme tu dirais, pas pratique, mais bon. Je me comprends, hein. Ok, là, on va faire, hop, un petit village. Petite route qui tourne. Toi, hop. J'ai eu le malheur, tu... C'est qui? Oh, une dame scandinave. Tu as eu le malheur de tomber sous ma main, bah, je suis désolé. Hop. Tu vas à la flamme. Mais si, papy, ça lui fera du bien. Elle va retrouver nos voisins, les...
les Aztèques là. Les... Ah, alors là, ça veut dire. Ça veut dire. Il y a quelqu'un qui nous attaque là, je le sais. Ah, ouais. Oh, ici, grosse baston. Bon. Regardez-moi ça. On est tout simplement en... Oh, comment il vient de se faire achever. L'autre, il s'est téléporté. L'autre, il a sauté de 5 mètres. Bah oui, c'est normal. Et il y a un porc qui se balade. Alors ça... Ah, celle-là. Ça, c'est le meilleur. Il y a un porc. Il y a un porc qui se balade en plein milieu de la ville. Explique-moi. Ouh, il est très... Oh, regardez-moi cette flamme. Oh là 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 là, l'hôtel de ville il est pas... Ah mais... Engagez le combat. Défendre, voilà. On va mettre des reproducteurs comme d'hab. Disciple reproducteur. Voilà, comme ça vous allez me faire des... Et on a du minerai. Par contre faut faire gaffe à ce Michel là qui a un loup, voilà. Hein. Et le loup en général est plutôt assez chaud. Ah, il nous attaque. Attaque. Ma créature, au fait. Verise ma... Vous avez vu les flèches? Je m'en lasse pas. Toi, tu vas aller... Ma créature... Alors, ma créature, où est-elle? À se demander. Ma vache a disparu. Écoutez, il n'y a plus qu'un seul moyen de savoir où elle est. C'est de... Les Aztèques veulent régner sur ces terres. Ah, elle est là. Les Grecs doivent être détruits. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Oh, le pauvre! Ah bah, quand t'es à la fin. Bon, on va la laisser se nourrir, hein. On va pas la... On va la laisser faire son casse-croûte. Ici, est-ce qu'on gagne? Bah oui. Ah oui, c'est mes... Genre, il a tué un de mes morts. Oh, il s'est fait trancher par derrière. Bah tiens, on... Non, il n'y a plus personne. Ah, ici, il y a des types à... Ah oui, attaqué. Nous partons sur le champ. Il y a des archers ici. Wow, ils ont la classe, les archers scandinaves. Hein. Bon, là, par contre, on a perdu beaucoup d'hommes. Ouais, ils étaient 135. Ça part vite. Par contre, ils sont niveau 3. Je pense qu'on va demander un soutien militaire de la créature. Oh, une femme qui est en train d'accoucher, là. Avec un kleps à côté. Oh, je te mets le kleps sur la tronche. Je suis comme ça, moi, je suis un malade. Vous avez vu, là, regardez sur l'entrepôt, il y a des petites flammes. Et quand on est maléfique, en fait, c'est ça. Par contre, là, ça me dit rien qui vaille. On va recréer du soldat. Hop. Et on peut recréer un bataillon de 25. Bon, c'est rien. Mais... Et ici, la garderie, vous voyez tous les enfants qui deviendront de braves et vaillants soldats qui iront se faire déchirer la gueule au combat. Quel bel avenir, les enfants. Oh, profitez-en. On va envoyer un soutien militaire là-bas. Mais qu'est-ce que vous foutez, bande de péglans, là? Allez les déglinguer. Ma créature, où est-elle? Biquette, t'es où? Ah oui, d'ailleurs, si vous avez... Je pensais à ça. Si vous avez une idée de nom pour la vache, n'hésitez pas à la mettre dans le commentaire. Hein, parce qu'il faut, c'est vrai qu'il faut, il faudra un nom, hein, au lieu de l'appeler la vache tout le temps. Là. Parce que, hein, elle a la classe quand même, cette vache. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort avec les mamelles à l'air, allez. Non, mais elle fait rien la journée, là. Pop, 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 pop. Non, mais ça va pas, hein. Voilà. Et en plus, elle pète. Non, mais on s'est mal compris, là. Je vais bien. Ah, oui, tu vas bien. Regarde, je te caresse. Allez, regardez. Elle a les cornes qui commencent à pousser en pointe. Exactement ce que je voulais. Voilà, bon, encore un peu petite, là, hein, mais... Bientôt, vous allez voir que... Elle sera mortelle. On va aller lui ordonner de rejoindre ici. Voilà. On va stationner nos troupes ici. Parce que notre créature va nous servir à défoncer ses portes. Parce que on n'a pas d'engin de siège pour l'instant. Donc il faut que la créature démolisse la porte avec ses gros sabots. Je regarde s'il n'y a pas d'émission. On pourrait peut-être... Ah, il y a un village ici. On va aller le capturer. J'avais pas vu. Hop, vous êtes prêts. Vous allez me capturer ce village qui s'appelle Mon Métal. Ah oui, je confirme, Mon Métal, effectivement. Il porte bien son nom. Ok, bon, on a une domination à peu près globale sur toute la carte. Ce qui me semble bien, ils rassemblent leurs troupes dans leur base.
ils ont raison. Et là, on va en profiter, tiens, au lieu de le faire à la fin, on va en profiter pour faire la mission. Alors, je le rappelle, il faut balancer le tonneau sur cette île ici, et c'est très chaud, parce que, ben, faut savoir viser, faut pas lancer trop fort. Voilà, ok, voilà. Par contre, ah oui, par contre, j'ai un doute. Je crois qu'il faut le faire en une fois. Non, c'est bon. Oh, oh là là. Oh. Ouf, j'ai eu peur là. Voilà. On a fini la mission. On a fini la mission. La petite musique qui va bien avec. Notre mélange est terminé. À la vôtre, les gars. Et avant, un petit cadeau pour notre bienfaiteur. Ah, merci les gars. Ouais. Il y a 5 clampins, tu veux. 5 clampins, il y en a un, il a un haut rouge, l'autre il a le froc vert, l'autre il a une toge grise, l'autre il a à moitié torse nu. Et sur une île déserte, les types. Explique-moi comment ils font. Franchement. En plus, ils ont l'air de s'éclater, hein. Faut pas croire. Je crois qu'on va. Ah non, on a pas le droit à la chanson. Et ça nous aura fait gagner 20 000 points d'offrande. Bon, dis donc, ils sont pas fait chier, les mecs, hein. Allez, ma petite cri-cri. Ouais, c'est ça. Va péter cette porte. Oui, ici, qu'est-ce qu'il y a? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire du disciple. Disciple, y a pas assez de disciples. Disciple fermier. On va faire du reproducteur aussi. Non, j'ai inutilisé ce bâtiment. Toi, tu m'as l'air parfait, hop. Disciple reproducteur. Qu'est-ce que tu fais, Cricré? Vas-y. Attaquer. Je vais attaquer ce bâtiment, voilà. Pendant que les autres sont en train de camper devant, genre en mode. Je me fais chier. Ils se font des feux de camp, les types. Et eux, ils sont stationnés là-bas, ces idiots. Si on peut, on va essayer de faire un combat de créatures. On va essayer d'aller exploser ce loup de mes deux. Ah, vas-y, vas-y, pète. Oh, je te mets des coups de pied à la porte. Oh! Vas-y! Va défoncer ce loup! Oh oui! Allez, c'est parti, on va capturer la ville. Ouais! Combat de créatures! Combat de créatures! Vous allez voir, combat de créatures, ça va être épique. Épique. Regardez bien. Vous verrez pas ça plusieurs fois dans votre vie. Regardez, un combat contre une vache géante et un loup. Oh, ça va être des prises de catch. Parce que je sais que le loup, il est assez sévère. Hein. Oh, regarde ce qu'elle te met, ma vache. Oh! Oh, j'aurais pas aimé. Vas-y, oh, 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 oh. Oh, vas-y, 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 vas-y. Défends-toi, vas-y, vas-y. Oh là 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 là. Oh putain, le loup, il peut rien faire. Oh, il se prend des peignes. À chaque fois... Il y a trop de bruit là. Oh le loup il se prend cher. Oh vas-y, droite, gauche, droite, gauche. Putain elle enchaîne, il peut rien faire. Et il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh là 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 là. Mais oh là là, mais elle est juste trop bonne notre créature. C'est une catcheuse. C'est Mr. T notre vache. Mr. T elle se sent plus pété. Oh là là, regardez, regardez ce qu'elle a mis au loup. Putain, regardez le loup rachiti qui a deux poumons avec un os qui lui tient les jambes. Oh, il s'est pris méga cher, lui a fait une prise du Kawateka. Et ils peuvent rien faire. Et on aura fini ce royaume. Oh, comment elle pète tout. Oh là 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 là. Et on sera à 20 minutes. Bon, on va en profiter pour commencer l'autre royaume. Allez. On va faire ça. Ou alors, si vous voulez, on reste un peu pour se marrer. Ah ouais, non, on va plutôt faire ça. On va rester un peu pour faire des trucs sadiques sur cette map. Ouais, ça me semble plutôt bien. Non, pétez pas ça, vous. Qu'est-ce que vous faites? Non, ouais. Voilà, pendant qu'ils sont en train de capturer. Voilà, elle est en train de... Voilà, c'est bien, énerve-toi, énerve-toi. Finis ces deux pécores, là, vas-y. Oh là 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 là. Et là, les cornes, regardez, regardez. Vous avez vu, les cornes, elles sont encore plus... Elles sont encore... Oh, putain. Oh. C'était magnifique, je sais pas ce qu'elle nous a fait, elle nous a fait un pseudo kamaté un petit peu bizarre. Regardez-moi ça quoi, regarde, regarde. Regardez ses cornes. Et là on va capturer, ce sera une magnifique victoire les amis. Oh le jus, le jus. Et ils sont en train de faire la fête, tout à fait normal. Tout à fait normal.
Et voilà, nous avons fini le premier royaume, les amis. J'espère que ça aura vous a plu. Cela vous aura plu plutôt. Leur brutalité est sans pareil. Eh ouais. Même les Aztèques ne leur arrivent pas à la cheville. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a une vache de combat. Devant leur puissance et leur force. Mais que feront les Japonais? Et nos maîtres, les Aztèques? Les Japonais. Notre prochaine civilisation. Si les Grecs sont cette tribu affaiblie, protégée par les pouvoirs d'un dieu. Ah, si c'était le cas, petit objectif. Seront-ils capables de surmonter les épreuves et d'aller jusqu'à Hongshai, où les attendent leurs frères, dont ils ont été séparés? On a réussi! Victoire! Yeah! Ah, mon maléfique boss. Ah, je sais. Oh, il s'est fait tirer par la queue, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ah, ben c'est pas magnifique ça! On les a tous, on leur a tout simplement botté le cul! Y a pas plus simple, hein! On les a déchirés! Magnifique! On a la capitale, voilà, et on va profiter des dernières, allez, un petit quart d'heure, 10 minutes, pour réaliser les derniers objectifs et faire des trucs sadiques, sachant que les prochains ennemis qu'on aura à combattre sont les Aztèques, je dis n'importe quoi, pas les Aztèques, les Japonais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait le loup? Oh, qu'est-ce qu'il fait le loup? Attendez là, ah oui, d'accord, il a ressuscité, il est remort. Le truc là que je viens de voir, attends, c'est moi ou il s'est explosé la tronche contre le sol, il a rebondi. Peut-être. Oh, regardez-moi cette flamme, on est à 23% maléfique. Ah, si c'est pas beau. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Et regardez notre main, on commence à avoir des ongles. Crochus. Ah, ça me plaît, ça, comme qui dirait certaines personnes. Voilà. Ah oui, j'avoue bien un truc super important. Ah, je dis bien le mot super. Déjà, personne à faire divertir par la créature. Bon, maison à faire construire par la créature. Ok, bon, maison à faire construire par la créature, on va faire ça. On va réaliser cet objectif. Au pire, si on n'arrive pas à le faire dans l'épisode, je le ferai hors caméra. Je vais vous montrer un truc assez drôle. Vous allez voir, ça va être super marrant. Enfin, moi, je trouve ça drôle, hein, perso. Bon, après, c'est pas l'éclat total non plus, hein, mais vous allez voir. Construire des maisons à côté de la fosse de torture, moi j'en ai rien à foutre. Je suis comme ça, moi, hein. Je suis un malade. Et voyez que là, quand on a fini, on a plus de zone d'influence, on peut construire partout. De sommeil, bah allez dormir. Regardez ce petit clochard là, voilà, dans sa petite hutte où il y a. C'est même pas une hutte, en fait, c'est un gros pixel qui bloque. Voyez ce monsieur là. Tac! Balance-le à la flotte. Voilà, et bien vous savez, lui, ce qu'on peut faire avec, c'est juste des trucs inhumains. On peut le balancer, en fait le but c'est de le balancer le plus loin possible et de lui rompre le cou le plus possible. Et en fait plus vous établissez des records, plus vous gagnez de points d'offrande. Vous voulez un petit essai? Admirez. Par contre après ce qui est chiant c'est qu'il faut le retrouver, donc c'est un peu chaud. Vous voyez cette montagne? Tu seras le premier homme. Faites-le cramer. Tu seras le premier homme. Le premier homme à avoir escaladé le mont scandinave, on va appeler ça comme ça. Vol! Oh, il est là, regardez. Vous voyez la mini crotte là? Voilà, c'est lui. Avec l'effet de caméra et tout là, c'est juste splendide. Oh le pauvre. Je sais pas combien ça va me donner de points d'offrande, mais j'espère beaucoup. Oh. Tombe. Oh la classe. Oh that follow. That following. Oh. Oh, il s'est étalé sur 6000 mètres d'altitude, sur 6000 mètres de sol. Pas grave, il me restait un rein. Ah, et en plus il a de l'humour. Bah tant mieux pour lui, remarque, puisqu'il va en bouffer du sol. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, bah il va en bouffer du sol. Pas que du sol, même de la flotte et de la montagne aussi. Combien? Ah, ça m'a rien donné. Oh, ah oui, voilà, nouveau record de lancer. Ah si, 30. Oh, 35 000 points d'offrande, c'est pas magnifique. Attendez, on va faire un deuxième essai. Parce que ça me plaît, ça. Balancer le dieu du
une montagne. Ouais, voilà, attends, t'inquiète. Là, c'est le deuxième mont. Ah oui, d'accord. Il y a eu un petit bug. Oh, oh, avec date ciel. Date ciel. Date ciel. Oh merde. Il est tombé où? Oh. Oh non, les amis, là, je crois que j'ai fait une petite connerie. T'es où, Michel? Oh non, je l'ai pas perdu. Attendez. T'as même pas peur de l'eau, c'est ça. Vieux sac. L'eau qui est toute calme la nuit. Et t'es où, Patrick? Je te retrouve plus. Bah, nous avons perdu Michel. Ah, il est là. Oh là là. Oh, that ice. Il nage. Vous allez être gentil, hein? Non. Oh! Vol. D'accord. Bon. La caméra n'a pas voulu le suivre. Je sais pas où il a atterri. Oh non. Oh non, pas encore. Je sais pas où il a atterri. Je sais pas du tout. Bon, bah, on se serait éclaté 3 fois. Je suis désolé. Ce serait éclaté que 3 fois avec lui, c'est dommage. On aurait pu faire des trucs bien plus sadiques que ça. Point faible. Je suis fichu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que j'ai pas fait un truc spécial. Bah, parce que la seule manière de le tuer, hein, je spoil un peu, bon, c'est pas vraiment du spoil, mais la seule manière de le tuer, je crois, c'est de le foutre dans le feu, donc enfin dans la flamme. Oh, oh là là, elle a du charisme, notre vache, elle a du charisme. Elle a du charisme avec ses cornes. T'as du charisme. Ok, bon. T'as besoin de sommeil. Eh ben, pionce, qu'est-ce que tu veux que je te dise, pionce? Oh, t'as que ça à faire de ta misérable vie, alors. Alors, petit massacre organisé, alors. On va sacrifier 10 personnes, attention, séquence sacrifice. C'est parti. Alors, pour commencer. Tu veux bien me donner son prénom? Oh, il veut pas. Bon, bah, désolé, on va t'appeler André. Voilà, André, désolé. Toi, tu t'appelles Albert. Désolé, Albert. Toi, t'es qui? Greta. Voilà, Greta, toi, t'es mort. Toi, t'es Grunka. Grunka, t'es morte. Norbert, t'es mort. Oh non, c'est un enfant. Ouais, c'est encore mieux. Toi, t'es Alberta. Voilà. Et toi, t'es Jean-Patrick. Et en plus, ils applaudissent. Si tu vois, ils sont un peu teubés. Et Jean-Marie, il y en a encore. Bon, toi, tu seras Albert Junior 2. Voilà, séquence sacrifice terminée. Regardez-moi ce flambeau. On va faire du reproducteur. Et on est à 28 minutes. Bah, on va pas tarder à se quitter. Hop. J'ai pas besoin de toi, désolé. Le mec, il a volé. Il a rien compris à sa douleur. Il a dû... Oh, tu vas mourir, oui? Non, mais meurs! Ah, bah voilà, purée. Oh là là. Bon, adieu. Merci d'être passé. Play ouf. Voilà, adieu. Ok, voilà comment on se débarrasse des gens comme dans un régime totalitaire. Voilà, t'sais. Non, je déconne, c'est carrément horrible ce que je dis. Oh là là. N'empêche, c'est horrible, hein. Black and White, c'est ça en fait. Hein. T'es un dictateur, même pire, t'es un génocideur. Ça se dit même pas, mais. C'est vraiment horrible, hein. Black and White, c'est des gros psychopathes, là, des... Qui ont fait jeu... Ah, chemin de... Non, je me rends compte, hein. Et... Vous voyez, là, je pourrais rester plusieurs heures hein, sur cette partie et faire une énorme ville qui fasse toute la map, hein, si je voulais. Mais bon, voilà, hein. Là, je suis en vidéo, on va pas le faire, bien évidemment. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans la rue, on va construire de la maison, hein. Comme aujourd'hui. On va construire des petites lanternes, allez. Arrêtez de crier, c'est bon, j'ai fait un petit massacre de rien du tout. Tous les jours, on en fera un, allez. On est des fous, nous. Hop, on va mettre des petites lanternes, allez, des petites lanternes. Je vous mets des lanternes, vous êtes pas contents? Des petites lanternes, toutes mignonnes les lanternes. Ah oui, faut que je fasse au moins quelque chose. Attendez, je viens de m'en rendre compte. Un truc de salique, de cruel, de complètement dégueulasse. Pouf, ça tombait sur toi, désolé. Torturé.
Voilà. Mais dors, purée, dors. T'as rien d'autre à faire, mais dors. Je t'empêche pas de dormir. Oh là là, ils ont rien compris à la vie. Oh là là, toi, j'ai pas besoin de toi non plus, là. Le pauvre. Ah, il s'est écrasé là-bas. Et le mec, il est vivant, mais oui. Mais oui, les amis. Faut savoir, dans Black and White, est un jeu vidéo. Ne tentez pas de faire ça chez vous. Bien sûr. Et nous sommes à 30 minutes. Bon, je pense que pour un deuxième... Enfin, pas un deuxième, mais un premier épisode de 30 minutes, bah, c'est plutôt pas mal. Qu'en dites-vous? On a réussi à finir le royaume. On les a tout simplement atomisés. C'était juste splendide. Va là-bas. Voilà, va dormir un petit coup. Non, dormir. Ah, tu peux pas dormir dans... Ok, bon, tu fais chier. Donc voilà, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, commentez, abonnez-vous pour plus de Black and White, bien évidemment. Et sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour affronter les Japonais. Allez, salut à tous. Hop.